Mouloud, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce titre qui est très mystérieux? Can you tell us more about this title, which is very mysterious? En fait, c'est la traduction littérale d'une expression kabyle, qui est une sorte de... On peut dire que c'est une sorte de, d'expression de résilience et en même temps un peu d'humour noir et un peu cynique aussi. C'est... perdu pour perdu, autant y aller. Well, it's the literal translation of an expression that is used in Kabylia. A mix of resilience, dark humor, a bit of cynicism maybe, that say, well, you know, lost for lost, we might as well go for it. Et on sent qu'il y a une très grande précision dans la composition des plans, dans le choix des cadres, aussi la manière très frontale que vous avez de filmer les personnages. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces choix de mise en scène? Can you tell us about the very precise framing, the shots and the frontal way of filming faces? On a bien collaboré avec Johan, le chef rap. Et l'idée, c'était de ne pas avoir d'amorce, de ne pas avoir de chant contre chant classique. Je ne sais pas comment l'expliquer rationnellement. Et l'idée, c'était aussi d'avoir des compositions assez simples, de ne pas trop couper et d'être le plus efficace possible d'une certaine manière. Well, my DOP and I didn't want to go for the usual shot and reverse shot. I couldn't explain rationally why, but we wanted a simple composition of the frame and something that would be efficient, not too cut out, not too broken down. Rachel, la première séquence est assez saisissante. Elle permet au spectateur de rentrer directement dans l'énergie du film qui se déclinera ensuite de la même manière. Comment vous avez travaillé pour trouver ce rythme, cette vitalité, cette énergie? Est-ce que c'était au tournage, au montage, sachant que vous avez tourné aussi en pellicule? So Rachel, can you tell us, the first scene is very striking because we go straight into the energy of the whole film that goes throughout. How did you work to give us that vitality from the start on the film? Was it in filming or in the edit, knowing that your film was shot on film? Well, that was the first day that we shot. And it was actually used as a rehearsal for Gordon and Charlie because our entire film was improvised. We didn't have any written dialogue. So I really wanted to use it as more of an icebreaker for the two of them. We shot way more than we actually ended up putting in the film. But I think because we were just kind of running around so that they could get to know each other better, it ended up having a lot of energy and feeling to it, which I think set the film up really well because it's kind of the everything's sort of downhill from there. So ended up working out nicely, but it was a bit of a mixture of the edit and rehearsal. Alors, c'était le premier jour de tournage, cette scène, et c'est ce qui nous avait servi de répétition pour les deux acteurs, Gordon et Charlie. Puisque le film est entièrement improvisé, il n'y avait pas de dialogue écrit et c'était une façon de briser la glace entre les deux comédiens. C'est une scène qui était beaucoup plus longue à l'origine, qu'on a coupée. Et comme on courait partout, c'était une façon pour eux d'apprendre à se connaître. Et l'énergie et le sentiment que ça dégage était bon. Et c'est vrai qu'à partir de là, les choses ne font que se détériorer. Donc je dirais qu'au final, finalement, c'est un mélange de ce qui s'est passé en répétition et ensuite au montage. On a un petit souffle, ouais. Et le jeune acteur Gordon Rox, il est assez sidérant. Comment vous l'avez dirigé? Qu'est-ce qu'il a lui-même apporté au rôle? Et aussi, je me demandais si c'était fait exprès qu'il parle aussi peu dans le film, parce qu'il est presque mutique et finalement, c'est le père, d'ailleurs l'acteur est très bon aussi, hein, qui parle le plus. Voilà.
Can you tell us about your young actor who is mind-blowing, Gordon? How did you direct him? Yeah. How did you direct him, and what did he bring to the character, maybe? Was it intentional to have him be so silent, and the father, who's also played by a great actor, so that's the father who does most of the talking? Well, we didn't plan much, just since everything, we kind of figured out everything through rehearsal, but we knew that we wanted it to be very much told through Gordon's perspective. And it was, we wanted it to be very much about him witnessing his father's behavior, some of it good, some of it bad, seeing what might be passed on to him. So I think that we definitely wanted him to be a spectator, but also our lens into what was happening, which is, I think, why we ended up in more quiet moments with Gordon. But after that, I mean, he's really just a very, very talented actor. And we spoke very little before we did each scene. And it was really more just about the blocking and where they should end up in each moment. And when the camera rolled, he really was just very much experiencing and reacting in his own way, with or without my direction. On n'a pas énormément planifié, hein, ça s'est fait beaucoup au fil des répétitions. Et ce que je savais, c'est que je voulais que le film se passe du point de vue de Gordon, que ce soit lui le témoin du comportement de son père, que ses comportements soient bons ou mauvais, et de voir ce qui était transmis à lui, en fait, ce que lui en recevait, et ensuite aller en faire. Je voulais que ce soit nous, qu'on soit spectateurs, que ce soit nos yeux à nous. D'où les moments aussi plus calmes où on est juste avec lui. C'est un comédien très doué et on ne s'est pas énormément parlé. On a surtout mis en place les placements. Et après, dès que ça tournait, voilà, tout se mettait en place et il se mettait tout de suite à réagir sur le coup, avec ou sans mes directions à moi. Clément, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du choix que vous avez fait? Pourquoi avoir tourné dans cette partie de la France et comment s'est faite la rencontre avec les adolescents? So can you tell us about your choice of filming in this location, this region of France, and how you came up with your young characters? Alors le film s'ancre dans un quartier en périphérie de Calais, un quartier qui s'appelle le Fornulé, que je connais depuis plusieurs années. Il y a 3 ans exactement, pendant l'été, je suis passé dans ce quartier-là pour rendre visite à des proches, et je me suis arrêté parce que j'ai eu comme un choc. Puisque une semaine avant, j'étais dans la banlieue de Rouen, là d'où vient ma famille paternelle, et où mon père a grandi, et dans un quartier assez similaire et qui venait d'être totalement rasé. Il n'y avait plus d'immeubles, donc l'immeuble de mes grands-parents avait disparu. Il n'y avait plus que des terrains vagues partout et des pelleteuses. Et en fait, dans ce quartier-là, quand je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des terrains vagues qui commençaient là aussi à prendre possession un peu du lieu, parce qu'on commençait également à détruire les immeubles. Et j'ai eu le sentiment que ces deux endroits se faisaient un peu écho et résonnaient les uns avec les autres. Et donc je me suis arrêté, et là il y a des enfants et des adolescents qui sont venus me parler, puisqu'ils s'ennuyaient. Et finalement je ne suis pas allé voir mes proches, je suis resté avec eux pour passer l'après-midi à discuter. Et je suis revenu plusieurs fois pendant l'été, d'abord sans vraiment penser à faire quelque chose, juste pour passer du temps avec ceux que j'avais rencontrés, puis après avec une petite caméra et pour juste m'amuser avec les enfants qui s'ennuyaient. Et c'est petit à petit que je me suis dit que j'avais envie de faire un film sur dans ce lieu-là. Donc ça a été vraiment une attache à un lieu avant de penser à un film. Donc une attache à un lieu et une attache aux jeunes habitants qui sont dans ce lieu-là. Ce qui m'avait surtout frappé, c'était que l'été, tous les parents sont à l'intérieur des bâtiments, dans les appartements, et à l'extérieur, il y a vraiment les enfants, les adolescents qui tuent le temps, qui jouent. Voilà. Et il y a un peu cette espèce d'idée de territoire de l'enfance et de l'adolescence autour de ces immeubles, dans la nature, tout autour. Et,
Et c'est ça qui m'a marqué. J'ai eu, voilà, j'ai rencontré pendant plusieurs à plusieurs moments, en fait, j'ai rencontré des jeunes, des enfants, des adolescents, et puis j'ai choisi de travailler avec certains qui avaient envie de raconter des choses de leur adolescence, de leur enfance, notamment Kiliana, qui finalement s'est révélée être le personnage principal du film. Et puis on a travaillé comme ça par discussion et ensuite improvisation au tournage. Well, it's a neighborhood that I've known for 3 years and that I visited once. I stumbled upon it while visiting some close ones. And it was a bit of a shock for me because recently in Normandy, where my grandparents lived, a whole neighborhood resembling this one was completely torn down. And in this one, when I went, I saw that some buildings were starting to be torn down as well. And some of the kids there approached me because they were bored. We started talking. And I came back a few times during that summer, didn't really think to make anything of it at the time. Then I came back with a camera to have fun with the kids who were there at the time. So originally this film was born out of a connection to a place and its inhabitants. And what struck me was that during the summer, the parents are all inside and the kids are all out playing. So it's really a territory of childhood, this area and the surrounding nature. And then I chose a few of those teenagers who wanted to tell things about their adolescence there, and especially Kiliana, who became the main character. Le hors-champ est très important dans le film et il est surtout habité par le son, différentes strates de son. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail sur le son? Est-ce que vous l'avez envisagé à l'écriture ou plutôt au montage? Can you tell us about the different layers of sound which are off-screen, the importance of also off-screen? Was it in the writing or was it mainly in the edit that you worked on this? Alors le son qu'on entend dans le film, il provient de plusieurs, il y a plusieurs régimes sonores. Il y a du son qui a été enregistré au tournage pendant les prises, du son qui a été enregistré en dehors des prises, et aussi beaucoup de sons que j'ai enregistrés tout seul. Pendant les moments que j'ai passés avec les enfants et les adolescents, pendant ces moments où je pensais même pas à faire un film, mais j'enregistrais juste des choses. Et en fait, au tournage, on a filmé sans scénario, il n'y a pas eu de scénario, mais je savais que j'avais envie, de recréer un lieu avec les images et les sons. Il y a quelque chose dans ce lieu-là d'un peu éclaté, parce qu'il y a ces enfants et ces ados qui sont un peu partout dans ce lieu, dans la nature, tout autour, en bas des tours. Et donc, il y a un côté un peu morcelé, comme ça. J'avais envie de raconter le lieu et ce moment, ce temps, par ces petits fragments d'images, donc les portraits, mais aussi de sons. Ça me permettait, comme des puzzles, en fait, comme des pièces d'un puzzle, de pouvoir recréer, fabriquer un espace et un temps, un espace-temps, et de pouvoir tisser aussi des liens entre des situations, entre des jeunes, entre des personnages, donner du sens, en fait, à tout ça, et recréer aussi un récit, même s'il est très infime dans le film. Mais voilà, donc créer du commun, créer tout ça. Et aussi, ce qui, moi, me tenait à cœur, c'était avant tout de filmer quelque chose de l'ordre de la douceur, de la poésie dans les visages de ces enfants. Et finalement, la violence qui existe aussi dans le film et dans le lieu, elle existe dans le son et dans le hors-champ. Je ne voulais pas la montrer de manière frontale. Et donc, ça me permettait également de pouvoir l'accueillir parce qu'elle existe, mais en même temps de chercher autre chose, peut-être là à côté, dans les visages, quelque chose de l'ordre de la poésie. Enfin, je pense par exemple au premier plan du film, ou au plan avec la fillette à la fin pendant l'orage. Essayer de chercher quelque chose d'autre dans ces visages sur l'adolescence, l'ennui et l'été. Ouais. The sound has several layers. There was some direct sound from the takes. There's some sound that was off screen, and some things that I recorded when I was on my own, when I didn't know I was going to make a film, just recording bits and pieces.
we filmed shot without a script. And so I wanted to recreate a place from this puzzle, this mosaic, in a way, with fragments of images and sounds, and connect, in the end, connect all these situations, give a meaning to all of them, and creating a narrative, even though it's very very thin, but create some common ground, and also show the delicacy and the poetic quality without being frontal, by being on the sidelines. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle? Oui, bonjour. Cette question, Mourad, cette question s'adresse à Boulud Aït-Liotna. Merci, votre film est vraiment merveilleux. Je voulais vous demander... à propos du parti pris d'avoir fait ce film totalement en langue kabyle, il me semble que c'est la première fois qu'un film totalement en langue kabyle soit projeté ici à Cannes. Et si vous pouvez nous en dire plus, justement. Et l'autre chose, c'est quelle est la situation de la création cinématographique en Kabylie et quelles sont les contraintes que vous subissez ou voilà. Merci. Can you tell us about your choice to make your film entirely in Kabylian language? I believe it's the first time ever in Cannes that a film is shown in this language entirely. And what's the situation of film creation there? And what constraints did you have to face? Merci pour le compliment. Quant au choix de la langue, c'est ma langue natale. J'ai grandi avec, du coup... Je ne sais pas si j'ai besoin de justifier plus que ça. La création cinématographique en Algérie, elle se fait progressivement. Il y a des gens qui bougent, il y a les acteurs, il y a l'équipe technique que vous avez vue au générique. Donc il y a des choses qui se passent. Les contraintes, je ne saurais pas vous dire. Peut-être... elle serait financière, on va dire, mais mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Well, this is my native language, the one I was born with. That's really why. The situation in Algeria is slowly moving forward. There are actors and crews that we can work with, and the constraints are mainly financial. D'autres questions? This is for the director of Lemon Tree, ma'am. First of all, thank you so much for the wonderful film. It was amazing. I loved every second of it. And I guess my question is, what made you decide, first of all, on using film? And that kind of, I guess, cinematic style, all the, how do you call this? All the close-ups, all those shots, what made you decide on using those things to tell your story? Alors, merci beaucoup pour ce très bon film. Qu'est-ce qui vous a décidé à tourner en pellicule? Et est-ce que vous pouvez nous parler de la stylisation du film, de l'esthétique du film et notamment les gros plans? Thank you so much. I'm really glad that you enjoyed the film. The group of people I work with generally always shoot on film, but I think for me in particular, I really enjoy the challenge that it gives me, just with being very clear about the story that I want to tell, the shots that I want to do to communicate that story. And I think that sort of focus is something that the entire crew then picks up, and everybody just has a real care for the project. I think it makes me more prepared for my actors. And then the stock that we chose, we shot on all tungsten stock, so we wanted it to feel very like crisp and cold, like it might on Halloween, and for that to feel
chillier and chillier as the film went on, similar to what was kind of going on with Gordon and his relationship with his dad. Shot size wise, I wish that my cinematographer Hunter Zimney was here because he's incredible. But we made a choice to only show everything through Gordon's perspective, and heighten that by showing it quite close because I think he's feeling a lot of anxiety as the film goes on. I think he's feeling stressed out, and he's kind of realizing as the movie goes on that he's going to have to take control at some point. So we wanted to try to bring that on physically in the frenetic camera movements. Eh bien, je travaille avec des gens qui aiment travailler en pellicule, mais pour moi en particulier, ça représente un défi qui me plaît beaucoup. Ça exige d'être très au clair avec ce qu'on veut raconter et avec les plans qu'on va faire pour le raconter, pour l'exprimer. Et cette concentration, en fait, elle infuse toute l'équipe. Et donc, tout le monde est mobilisé pour donner vraiment un soin particulier. Et donc j'aimerais bien que mon chef opérateur puisse parler parce que c'est beaucoup lui que ça concerne, mais vraiment l'idée des plans c'était pour montrer le point de vue de Gordon, et les gros plans permettent de souligner vraiment son anxiété, son angoisse qui monte au fur et à mesure du film, au fur et à mesure de sa prise de conscience qu'il va devoir prendre lui-même les choses en main à un moment. Bonjour. Ma question, elle est aussi sur La Maison qui brûle. Du coup, déjà, je voulais vous remercier pour le film, parce que c'est très émouvant de voir ce genre de film à Cannes. Et du coup, ma question, elle porte sur... est-ce que vous avez une raison d'avoir représenté la Kabylie dans des temps plus froids, le matin et la soirée? So, what is the reason that you chose to represent Kabylie in the cold tones, in the evening or in the morning? Merci pour cette question. Déjà, pendant le tournage, préalablement au tournage, il n'y avait, que du soleil. Je voulais filmer l'hiver et pendant un mois, il n'y avait que du soleil. Une semaine avant, il a plu et le décor il s'est installé. Et l'idée, en fait, en filmant l'hiver, c'est d'une part défaire un peu le stéréotype de l'Algérie désertique et chaude et tout ça, tout ça. C'est un peu aussi l'idée de représenter l'état d'esprit de ces trois personnages-là, même si le troisième est fantomatique. Mais c'est un temps mélancolique, quoi. Du coup, ça va bien avec l'esthétique de l'histoire. Well, before we went to film, there was only sun for a whole month, whereas I wanted to show winter. But a week before, it started raining, and so then it was really set for us. I wanted to go against the stereotype of a country that's always sunny and a place that is always sunny, and it also represents the mindset of the characters because it's a soulful time in their lives, and so it fits the aesthetic of the film. Une dernière question. Hello. Wonderful films. Thank you guys so much. Rachel, I had two questions. First of all, what was your motivation for shooting on 4:3, if any? And my second question was, you mentioned that the performances and entire film was improvised. But especially shooting on physical, that can sometimes pose a problem, or seeing that every single second counts financially and physically. Was there any tension or overall thoughts that you and Hunter had initially? Alors, quelle est votre motivation pour avoir tourné en format 4 tiers, s'il y en a une? Et puis, concernant l'improvisation, on sait que ça peut être un problème en pellicule, puisque chaque seconde compte à la fois physiquement et financièrement. Est-ce que ça a donné lieu à des tensions ou à des réflexions préalables? So, the,
choice for 4:3 was part stylistic choice. That's just an aspect ratio that I really like. It also felt like it might make the experience feel a little bit more claustrophobic, or might provoke a little bit more intensity through Gordon's perspective. So that's how we landed on that. As far as the improvising on film, that was something that my producers were also very nervous about at first. But they let me do it. And, you know, we did have a shot list, even if we veered away from it. Performance-wise, there were some moments that were very important, reaction-wise, that I still knew I only had so many takes to get. So there was a few tricks that I played on Gordon with his mother's permission. Like, he didn't know that the bunny was going to be dead at the end of the film. So that was a real reaction, because we had very little film left. And then in the lottery ticket scene was one that was, we were running through a lot of film before we got to that moment. And Gordon very often did not know how the scene was going to end. And in that scene, he thought that he had a real lottery ticket as well and not a fake lottery ticket. So he really thought he won $5,000 in that moment, which is not nice of me. But I think for the key moments where I knew, like, okay, I'm not going to be able to do this over and over again and get this great performance, which I would have no doubt Gordon would be able to do, we had a couple tricks. Alors le rapport, le format 4 tiers, c'est un rapport que j'aime bien stylistiquement. Je trouvais que ça donnait une sensation un peu de claustrophobie et une plus grande intensité, pareil du point de vue de Gordon. C'est vrai que voilà, mes producteurs, ça les a rendus, ça leur a provoqué un peu de stress, mais ils m'ont quand même laissé faire. On avait une liste de plans quand même si on l'a dévié un tout petit peu, mais pour certains moments clés, je dois confesser qu'en termes de réaction, pour obtenir certaines réactions que je voulais, j'ai fait des petites farces à Gordon. Je lui ai joué des tours avec la permission de sa mère pour obtenir des vraies réactions de sa part. Par exemple, il ne savait pas que le lapin serait mort. Et pareil pour le billet de loto, il croyait que c'était un vrai billet et il a vraiment cru, voilà, c'était vraiment sa vraie réaction en pensant qu'il avait gagné 5 000 $. C'était pas très gentil de ma part, mais c'était pour obtenir vraiment quelque chose d'authentique, même si je savais que c'était un bon comédien qui était capable de proposer ça. On doit libérer la salle, mais la discussion peut se poursuivre en sortant avec les cinéastes que je remercie. Thank you so much.